Alors, je vais dessiner un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup dessiné, mais que j'ai délaissé un petit peu ces derniers temps, n'est-ce pas? C'est Adèle Blanc-Sec, avec ses taches de rousseur, son chignon. Alors, c'est un personnage que j'ai laissé un petit peu de côté. Il y a seulement 9 bouquins, 9 albums. J'en avais commencé un dixième il n'y a pas très longtemps, en me disant, bon, je vais faire le dixième, ça sera le dixième et dernier. Je l'ai commencé et puis je l'ai laissé tomber. J'ai dessiné une douzaine de planches et j'ai laissé tomber parce que je ne suis vraiment pas un dessinateur qui est fait pour faire des séries interminables. Alors vous allez me dire, la guerre de 14, ça fait un moment que je travaille là-dessus, mais il y a tellement de choses à raconter et qu'on découvre, même en étant un petit peu spécialisé, chaque fois on découvre des choses, on apprend des choses. Et j'éprouve le besoin de les faire partager et d'en parler. Même Nestor Burma, alors vous voulez que je vous dessine un Nestor Burma, alors lui aussi, il est. Alors c'est différent puisqu'il s'agit d'adaptation. Hein, d'adaptation des romans de Mallet. La seule chose que j'ai à faire, c'est me concentrer sur le dessin, sur les repérages. Donc ça, c'était un véritable plaisir. Bon, j'ai dû en faire 3 ou 4, c'est pareil, ça amène à recommencer éternellement les mêmes choses. Donc, encore une fois, j'éprouve le besoin d'aller voir ailleurs. Puisque l'album qui sort concerne la Première Guerre mondiale, depuis très longtemps, ce thème de la Première Guerre mondiale m'a habité et j'ai éprouvé le besoin de dessiner ça. Alors c'était dans un premier temps par rapport à un grand-père, enfin c'était ma grand-mère qui me racontait ce qui était arrivé à ce grand-père. J'avais 5 ou 6 ans et ça me terrorisait. Je suis très pinailleur sur la documentation. Mais quelquefois, quand je vois des photos de groupe, bien souvent, il y a un type qui est un peu à côté, comme ça, qui ne semble pas participer. Et c'est ce gars-là qui m'intéresse. C'est à partir de ce personnage-là que j'ai envie de raconter une histoire, de lui inventer un passé, n'importe quoi, parce que tout d'un coup, il me touche, il semble pas faire partie du lot, là. Il est pas avec les autres, il me dit quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pauvre type. C'est le pauvre type qui contrôle pas la situation. C'est important d'aller sur place, d'aller sur le terrain, voir à quoi ça ressemble.